Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien, je vais pas super bien, tout le monde dit ça, mais vous savez, cette intro que j'adore. C'est une vidéo, voilà, une vidéo présentation de ma chaîne Twitch. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que Twitch? Pour ceux qui le savent pas, pourquoi je vous présente ça? C'est un outil que j'ai découvert il y a plusieurs mois maintenant, que j'utilise maintenant fréquemment. En fait, c'est une plateforme de streaming vidéo de jeux vidéo. Et moi-même, donc, faisant voilà, des vidéos sur Clash of Clans sur YouTube, et ben, je me suis mis à liver, donc faire des live streaming. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, il y a des gens qui font coucou et tout, voilà, sur une espèce de petite chatbox qu'il y a à droite. Là, vous êtes sur mon compte. En fait, c'est ce que les gens voient quand eux sont en live. Donc là, vous voyez l'écran avec ma fenêtre et tout, mon navigateur. Eux, ils voient pas ça. Eux, ils voient directement ce que vous voyez dans le player, c'est-à-dire avec mon petit logo en bas à droite, mon lien sur ma chaîne YouTube, mon lien avec mon Twitter. En haut, il y a des donateurs qui m'ont fait des petits dons. Merci à eux. Etc. etc. Et en plus on voit mon iPad. Alors faut savoir qu'il y a un temps de latence parce que entre le direct et de peu près de 15 secondes, 10-15 secondes selon la connexion que vous avez. Donc les gens me voient, enfin on m'entend, moi je parle et là dans 10 secondes eux ils vont entendre ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a un décalage en fait entre ce que les messages, eux ils sont en direct à droite et alors que il y a un temps de décalage par rapport à quand je parle. Donc quand je leur parle ils entendent 10 secondes après. C'est pour ça qu'il y a un temps de décalage dans leur réponse sur le chat. Je leur fais un petit coucou que donc là ils vont lui il va être direct et ils vont entendre après le petit coucou en même temps en audio. Coucou YouTube, voilà, ça leur fait plaisir. Il y a pas mal d'habitués. Là vous voyez le nombre, donc il y a 15 viewers actuellement, c'est-à-dire les 15 personnes qui sont en train de voir en même temps ce que je fais. Donc là c'est un live totalement impro, vous voyez sur ma montre il est midi 27, on est dans une ambiance, on n'a prévenu personne. Faut savoir qu'il y a déjà eu des lives organisés où on peut monter à 250-300 personnes. Vous avez déjà vu des annonces sur ma chaîne, vous avez déjà vu des annonces sur la chaîne de Nick quand on fait des lives un peu communautaires comme ça, inter-youtubeurs, avec Arsenic aussi, ou d'autres. Et donc voilà, pourquoi je vous présente ça? Pour vous dire que tout simplement j'ai augmenté un petit peu le rythme de mes lives sur Twitch, que j'aimerais que vous inscriviez, ne serait-ce que pour me suivre, pour avoir une petite notification. Enfin, ceux qui ont envie, hein, je ne fais pas du forcing, mais ceux qui aiment bien suivre ce que je fais, voir mes attaques en live, voir de me parler en direct, interagir avec moi, c'est le meilleur endroit pour ça. Et donc il faut avoir un compte. On va regarder après comment faire vite fait. Et il faut me suivre. Et comme ça, vous recevez des notifications quand je fais un live. Et je fais des lives régulièrement. Aux pauses midi. Voilà. Quand j'ai le temps de manger mon petit sandwich. Et que je fais. Voilà. J'ai une petite demi-heure, 1 heure. Et ben, on fait un petit live. En ce moment, vous voyez le titre, par exemple, de mon live Farming Hero 37. Parce que voilà. On avait vu la vidéo d'ailleurs. Où j'ai farmé mes Hero 36 cette semaine. Et là, c'est en bonne voie. Parce que vous voyez que j'ai à 166 000 d'Elixir Noir pour faire l'arène 37. Qui va pas tarder, hein, donc d'ici. Alors, je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, puis le week-end un peu moins aussi, mais peut-être samedi soir ou dimanche, on verra. Quoique. Mais en tout cas, il manque pas grand-chose, il manque 20K, donc c'est pas méchant. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Donc, des lives tous les midis. La chaîne, vous le voyez, enfin, je vais vous remettre clairement le lien en descriptif, mais c'est twitch.tv/BFA underscore le trait du bas COC. Et donc, il y a des lives régulièrement. Avec différents sujets. En général, il y a de la base review parce que les gens adorent ça. Donc, on fait de la base review au live. Des fois, je visite les clans des gens. Des fois, je crée un clan live. Des fois, j'invite des gens. Et je vous invite aussi à vous inscrire. Pourquoi me suivre? Parce que j'organise des petits concours. Et il y en a qui pourront témoigner sur la chatbox. Des petits concours où vous aurez la possibilité de venir me rejoindre dans le live en audio, puisque voilà, c'est pas, je dirais pas que c'est un rêve, hein, mais je dirais qu'il y en a qui trouvent ça sympathique de pouvoir discuter avec les personnes qui suivent sur YouTube. Et du coup, ben, vous pourrez discuter avec moi. Il y a déjà eu des gagnants, et en fait, le Twitch est assez bien fait parce qu'il y a des systèmes de robots avec des commandes. Vous voyez, là, si je tape, je sais pas, hop, une petite commande là sur la chatbox, paf, vous allez voir arriver mon. Non, il n'arrive pas, bah tiens, pff, super, le fail en live, je sais pas, ah, non, peut-être un lag, non, voilà, c'est arrivé. C'était pas un, voilà, c'est juste un petit peu de lag, mais là vous voyez par exemple ma chaîne, mon Facebook, mon Twitter, mon live, mon bidule, mon machin. Il y a différentes commandes, je renvoie des fois sur un, voilà, sur un tuto, une vidéo à moi sur le low farming par exemple, clac. Et ça me permet aussi de faire gagner des gens avec une fonction comme celle-ci, winner. Et hop là, je peux faire gagner, voilà, Nico COC par exemple. Hop, je pourrais lui faire gagner quelque chose. Alors là, il se dit qu'est-ce qui se passe, mais je fais gagner des bases review. Je peux faire gagner des gens qui vont venir me rejoindre sur le live en audio, sur Skype ou un autre moyen audio. Et donc, ça peut être très sympathique d'avoir une petite interaction avec vous. Donc, si vous aimez ce concept, donc je trouve que ça se complète bien avec mes vidéos sur YouTube, et
Voilà, je tenais à faire un là. C'est pas que je vous dis qu'il y a un live tel jour, telle heure. Là, je vous dis qu'il y en a tous les midis, je dirais. Là, le prochain, je pense que ça sera peut-être mardi midi ou aujourd'hui même. Mais là, que la vidéo va passer après, donc tant pis. Mais en général, tous les midis, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça dépend. Mais c'est cette zone-là. Mais en tout cas, si vous vous inscrivez, on va voir comment maintenant le faire. Hop, hop, hop. Donc du coup, là, les gens, on va plus vous voir. Ce que je vais faire, je vais tout simplement me déconnecter. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Sortir. Hop là. Voilà. Je veux m'inscrire. Je prends un identifiant. Je sais pas, fan de BFA. Le mec narcissiste. Mot de passe, fan de BFA. Comme ça, celui qui veut me piquer mon compte. Ben, je pense que ça va être comique. Voilà, vous voyez tout ce que je mets. L'adresse électronique, vous l'avez aussi. Fan de BFA at yopmail.com. Voilà, ça c'est fait. Les petits numéros sur la porte 3249. Ça c'est fait. Je m'inscris. Ok. Alors, ça c'est fait. Ils me disent autre chose. Normalement, je reçois un mail. Voilà, j'avais préparé le truc. Vous avez vu, je fais bien les choses. Spam, en plus, c'est considéré comme un spam. Vérifie le email. On vérifie, comme ça on est tranquille. Et du coup, je n'ai plus qu'à chercher. Alors on peut chercher les chaînes. Alors, je vous invite aussi à aller voir les autres jeux, parce que moi je regarde un petit peu ce qui se passe sur les autres jeux, ça c'est sympa. Sinon vous pouvez regarder par jeu ou taper directement, donc par Clash of Clans, ou taper directement dans la barre de recherche BFA underscore COC. Voilà. Ou alors vous tapez directement le lien en haut, comme vous voulez. Là, il y a un résultat de recherche. Hop là, on me retrouve. Et on voit d'ailleurs qu'il y avait d'autres vidéos disponibles, des anciens lives qui ont été recordés. Donc si vous voulez voir les anciens, mais bon, il y en a qui sont assez longs, donc voilà. Et là, on est sur la page de profil, donc je pense qu'il faut juste virer ça en haut pour arriver directement sur le stream comme tout à l'heure. Et on aura un petit bouton. Ah voilà, il y a un petit bouton suivre qui disparaît parce que j'avais rechargé l'adresse en haut. Et si ça ne veut pas être trop lent, voilà, j'attends juste un petit instant. On a. Alors là, il charge parce que là, je suis en live en même temps. Je suis en train de faire le live en live. Donc, vidéo, tout en même temps. Le petit bouton suivre, vous cliquez sur le bouton suivre ici, là, en bas à gauche. Hop là, et là, c'est fait. Là, c'est fait. Je pense même que normalement, je reçois une alerte. À un moment donné, sur l'écran, vous allez avoir. Enfin, là, peut-être comme ça charge, c'est dommage. Mais sinon, on voit sur l'écran du live, il y a plein de petites fonctions assez sympas. On voit un nouveau follower, il va apparaître en gros. Un nouveau donateur aussi. Des petites interactions comme ça, sympa. Il y a aussi des fonctions qui permettent de passer de la musique. Vous pouvez décider aussi, vous. Moi, je laisse aux gens le choix de passer de la musique en fond. Donc, vous mettez un ID de vidéo YouTube et ça passe dans le truc. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça. Voilà, fan de BFA. Ben voilà, on le voit. Hop, il est arrivé. Donc, vous voyez, nouveau follower. C'est cool. C'est moi-même. Donc, c'est un peu fake ça, mais c'est pas grave. Donc, je vais pas faire trop long. Voilà, je vous laisserai découvrir après l'outil en profondeur. Là, je vous ai montré les bases pour me retrouver, suivre mes lives pour ceux que ça intéresse. Et bah voilà. Et donc, je vous attends. Venez interagir avec moi sur la chatbox de ma chaîne Twitch. Il y a aussi peut-être, ça fera peut-être l'œuvre d'une autre vidéo où je présenterai d'autres petits, enfin pas petits, enfin d'autres Twitchers. Live streamer, on va dire, de Clash of Clans. On va pas faire les autres jeux, hein, mais sur Clash of Clans, il y a quelques Français qui se mettent à streamer. Et si ça peut leur donner un petit coup de pouce, et si vous, ça peut vous donner du contenu à visionner en live sur le jeu que vous aimez, qu'on aime tous. Donc pourquoi pas, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais dire un petit au revoir YouTube à mes amis qui sont en live, qui continuent à regarder le streaming improvisé. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!